Des Hautes Alpes, mais également un parc naturel régional, où se pratique le ski en hiver et randonnée pédestre en été. Il est notamment traversé par le GR58 qui permet d'en faire le tour, ou le GR5. Le Kérado a son nom à la tribu gauloise des Cariates, habitant des Alpes occidentales, intégrées au royaume de Cossius. Leur nom signifierait en vieux celtique continental ceux du chaudron. Car chez les Celtes comme chez d'autres peuples indo-européens, un culte s'attachait à cet objet et Xavier Delamar écrit que l'on sait l'importance du chaudron dans les récits de mythologie irlandaise. Le radical *ker* forme francisée, *ker* forme locale, a développé de manière insolite un C.K. alors qu'on attendrait en Celtique continentale une mutation en P.P. -P à partir du proto-Celtique Kvario chaudron. En effet cette mutation régulière explique le Gaulois pario chaudron qui a de nombreux descendants dans les langues romanes, provençal par, pérol, franco-provençal, lyonnais, père, catalan, pérol, italien péolo, terme signifiant tous en chaudron, ainsi que les mots du groupe brittonique, gallois père, vieux cornique père chaudron, qui ressemblent beaucoup aux termes du groupe roman. Ce radical explique aussi l'ethnonyme parisien qui a donné son nom à la ville de Paris. En revanche, le celtibère et le gallique ont conservé, KW, passé ultérieurement à C, K, en gallique, d'où le vieil Irlandais qu'ar chaudron, marmite. Le maintien de, KW, plus grand que K, dans Karyat plus grand que Kera, ce Kana plus grand que Sen, est peut-être lié à une influence de substrat similaire. La terminaison A de Kera s'explique par une contraction du suffixe at de Kariat, issu du suffixe gaulois ati, bien que ce suffixe s'observe principalement dans des noms de tribus d'Aquitaine qui ne sont pas celtiques, tels les Vasates, les Cocosates, les Sibusat, les Tarusat, et ce Le S-final de Kera est muet, alors que certains visiteurs le prononcent. La vallée est traversée par le Guil et comporte huit communes aujourd'hui regroupées au sein d'une communauté de communes. Arvieux, Abriès, Aiguille, Seillac, Château-Villevieille, en kéra Ristola et Saint-Véran. Seillac ne faisait pas partie du kéra historique, il appartenait à l'évêché d'Embrun et non de Briançon. Il n'entrait pas dans l'escarton du kéra Le parquet est délimité au nord et à l'est par la frontière avec l'Italie. Depuis le sommet du Grand Gléza jusqu'à la tête des Toïlies via le col Puis il suit la crête délimitant le bassin versant de l'Ubaï jusqu'à la Mortice et remonte au nord-ouest jusqu'à Guiestre, dans la basse vallée du Guil, qui constitue la principale porte naturelle sur le Kéra. Depuis Guiestre, la limite suit la crête orientée nord séparant la vallée d'Arvieux de la Durance et passant par le pic du Béal Traversier, puis prend une direction nord-est jusqu'au col d'Izoar. Passage mythique du Tour de France cycliste, et fini par la ligne de crête séparant la vallée des fonds au nord, et passant par le pic de Rochebrune, jusqu'à la frontière italienne. On peut d'ailleurs considérer que le Kera correspond au bassin versant du Guil. Le point culminant du Kera est le pic de la Font Sanctet, et non le Mont Viso dont le sommet se trouve dans le Piémont, mais dont le tour passait par le Kera. Le col de l'Isoard. À 2361 mètres d'altitude, et depuis le brillant sonnet, la porte du Kera. La traversée de la casse déserte annonce un désert. Le contraste en aval n'en est que plus saisissant. Au-dessous de ce cirque lunaire hérissé de cheminées de fées, vestiges de fortes érosions, se succèdent des steppes, des forêts, des tapis floraux. Le Kera est le pays des villages altiers, aux fours banaux et aux fontaines cerclées de bois où les fils électriques sont enterrés. Ils sont à l'image du plus haut village de France, Saint-Véran, 2042 m. La vallée est très peu urbanisée, donc peu éclairée, et la pollution lumineuse est quasiment nulle, conjuguée à son climat laissant beaucoup de nuits claires, cela en fait un endroit très prisé par les astronomes amateurs. Histoire. Les Cariates, tribu gauloise des Alpes cottiennes, sont des montagnards difficilement attaquables à cause des hautes crêtes cernant leur petite région naturelle. Ils surveillaient les voies d'accès à plusieurs cols, comme beaucoup des peuplades ayant l'emprise sur les grands passages transalpins. Romains et Carthaginois redouteront la traversée de ces territoires, et ils n'attaqueront leurs guerriers qu'avec prudence. Les quelques recherches archéologiques menées au XXe siècle, autour de la mine de cuivre de Saint-Véran et dans les alpages du Rhin et du Mont Viseau, atteste que ces montagnes ont été occupées au néolithique pendant une période indéterminée. Sous l'empire romain, le Céra a était une voie de passage entre la vallée de la Durance, à partir de la roche de Rame, et la vallée du Pau, par la montagne, comme l'attestent les quelques restes de voies romaines aux Escoyères. Pourtant, il ne semble pas que cette haute vallée ait été occupée et mise en valeur de façon permanente avant les 11e et 12e siècles. Des érudits du XIXe siècle ont cru lire dans le testament du Patrice Abon, 739, Patrice qui possédait de vastes domaines dans la vallée de la Durance et du mont Cenis à Marseille, en se fondant sur les mots latins, curtum saliari »,« Villa Vetol, Mulinarici, des allusions à Seillac, Châteauville Vieille et Moline, alors que ces mots désignent apparemment une cour des Saules, une cour était un vaste domaine, la ferme, Villa, des Génisses. Vaut d'une année, et un comptoir de pierre à moulins. Les plus anciennes références au Kera ou à ces villages datent du XIIe siècle. La plus ancienne archive se rapportant à un village du Kéra est une charte de privilèges accordée en 1259 par le dauphin Guigues aux habitants d'Abriès. Ils sont placés sous la sauvegarde du dauphin et il est créé dans leur village un marché hebdomadaire. Dans les archives du dauphiné à Grenoble, comme dans les archives de l'Église, il est fait référence à plusieurs reprises au Kera au XIIe siècle. Les documents les plus connus sont les trois enquêtes fiscales ordonnées dans les mandements de Montagne, Kera, Val-Cluisson, Bellin, entre 1249 et 1267, par le dauphin Guigues, qui était désireux de connaître avec précision les taxes, impôts, redevances, que lui devaient ses dépendants, les terres qu'il possédait, les hommes-liges qu'il protégeait ainsi que l'enquête ordonnée en 1339 par le pape d'alors qui avait exprimé son désir de racheter au dauphin les droits féodaux sur ces mandements de montagne mais qui y a renoncé quand il s'est rendu compte que la transaction ne lui rapporterait rien Six. le dauphin dont l'état était ruiné à la suite de longues guerres contre la savoie a alors décidé de vendre ses propres droits aux habitants de ces cinq mandements de montagne Kera, Briançon Oulx Val-Cluisson, Val-Varetta. La transaction est consignée dans une charte signée en 1343 à Beauvoir-en-Royant. En versant 12 000 florins d'or et une rente annuelle de 4 000 ducats d'or, les habitants deviennent francs et bourgeois. Ils ne paient plus de redevances pour construire des moulins ou des fours à pain, ni pour utiliser l'eau des torrents, ni pour creuser des canaux. Ils peuvent se réunir librement pour délibérer de leurs affaires et élire leurs représentants. Ils ont le droit de chasser et, en conséquence, celui de porter des armes. Dès lors, ces mandements ont pris le nom d'escartons, nom dérivé du verbe escarter, signifiant répartir. Il incombait aux habitants eux-mêmes ou à leurs représentants, mensiers, procureurs, consuls, de répartir entre les familles les redevances aversées à verser à l'autorité féodale, puis, à partir de 1349, au roi de France. À qui le dauphin Humbert II a vendu son état. Ce système féodal s'est perpétué sous l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution, qui a aboli toutes les chartes de privilèges. Le Fort Kera, est un ancien château fort du XIIIe siècle remanié par Vauban, vers 1700. Le Kera a été troublé dans la seconde moitié du XVIe siècle par les conflits religieux. Les armées protestantes commandées par le duc de Lesdiguières, futur connétable de France ont vaincu à deux reprises les troupes catholiques et ont contrôlé cette haute vallée, en particulier l'ancien château d'Elphinale et forteresse de château Kera qui en commande l'entrée. Des exactions ont été commises alors, dont font état les historiens locaux. Les Queyrassins, qui étaient alphabétisés depuis la fin du XVe siècle et avaient pris l'habitude de lire les saintes écritures, ont été très nombreux à se convertir à la nouvelle religion. Les protestants représentant entre 60 et 80% des 6000 habitants du Kérat. D'ailleurs, pendant près d'un siècle, les consuls, deux par communauté, les notaires, une vingtaine, et le secrétaire de la vallée ont été le plus souvent des protestants. À partir des années 1640-1660, à la suite de missions, les keirassins commencent à revenir au catholicisme. En 1685, la révocation de l'édit de Nantes, à la suite de laquelle la religion prétendument réformée a été de fait interdite, a provoqué de graves drames humains. Beaucoup de Kairassins ont préféré abandonner leurs biens et se réfugier en Suisse, aux Pays-Bas ou en Allemagne, d'où certains ont essaimé en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, plutôt que d'abjurer. On peut estimer à plus de 300 le nombre de Kairassins qui ont quitté définitivement la France. Comme la Savoie, alliée aux puissances du Saint-Empire romain germanique dans la Ligue d'Augsbourg, a déclaré en 1689 la guerre à la France, elle a constitué parmi les Vaudois, alliés des réformés, de la vallée du Pélis, de l'autre côté de la frontière, au-delà d'Abriès, des milices armées, qui ont fait des incursions meurtrières. À dans le Kera, incendiant des maisons et même des hameaux. Détruisant des chapelles, pillant des fermes, volant du bétail. Des embryons de communautés protestantes se sont maintenus secrètement ou clandestinement à Arvieux, Moline et Saint-Véran, dans les villages les plus éloignés des vallées vaudoises italiennes et, après l'édit de tolérance de 1787, signé par Louis XIV, elles se sont reconstituées, alors que le protestantisme a quasiment disparu dans la vallée du Guil, Ristola, Abriès, Aiguille château villevieille village qui ont souffert pendant cinq ans des exactions des milices vaudoises. Le protestantisme quérain a été rendu célèbre en Europe dans la première moitié du 19e siècle, grâce au pasteur Félix Neff, né en Suisse, ordonné à Londres et très actif militant du réveil et qui, dans les années 1820, a exercé avec beaucoup de zèle son sacerdoce dans les deux paroisses de Frécinnière et du Quéra, avant de mourir jeune. À 31 ans, en 1829, épuisé par sa tâche. Les lettres de ce pasteur, écrites avec beaucoup de talent, ont ému de très nombreux lecteurs, parmi lesquels des révérends et des aristocrates anglais, qui ont décidé de faire le voyage dans les Alpes, en suivant les traces de nef. Ce sont William S. Gilly, William Beatty, et Lord Monson. En tant que région frontalière, le Kera a souffert indirectement ou directement des guerres. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il a été traversé par les troupes françaises qui se rendaient en Italie pour combattre les armées de Savoie, d'Espagne, d'Autriche ou du Saint-Empire, expédition de la Valteline, 1625, guerre de succession de Mantoue, 1629-1632, guerre de trente ans, 1635-1648, guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688-1697, guerre de succession d'Espagne, 1701-1713, guerre de succession d'Autriche, 1740-1748. Les habitants devaient ouvrir l'école cols enneigés ou refaire les chemins en mauvais état, ils avaient l'obligation de fournir fourrage, mulets, farine, obligation de l'étape et du quartier ou cantonnement, il leur fallait couper des arbres pour faire des ponts ou des fortins, ils ont subi les exactions des milices vaudoises, ils ont dû loger des dragons, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, et des soldats lors des cantonnements. Toutes ces dépenses représentaient des coûts élevés à la charge des communautés. Lors de la guerre de la succession d'Autriche, le Kera a fourni des arbres, du fourrage, des mulets, du seigle, aux armées du roi d'Espagne. Les consuls ont dû engager des procès pour obtenir que leur soient remboursé ces dépenses. La première guerre mondiale a été vécue très cruellement dans le Kera, à cause des pertes humaines très élevées, plus de 200 morts pour une population qui n'excédait pas 4000 personnes, soit plus de 5% de la population, de 1 à 1,5% de plus que la moyenne nationale. Ces morts ont été d'autant plus dramatiques qu'elles ont touché la partie la plus jeune d'une population vieillissante. La deuxième guerre mondiale a été tout autant dramatique. En 1940, les habitants des hameaux et des villages situés près de la frontière avec l'Italie ont été déplacés en Ardèche. En juin 1940, les Italiens, en attaquant la France, ont occupé la commune de Ristola et une partie de la commune d'Abriès. Le village de la Monta a été incendié. En septembre 1944, les Allemands qui défendaient la frontière italienne ont tiré. Du col de la Maite, des obus qui ont détruit en totalité ou en partie les hameaux de pras Roubo et du Roux d'Abriès. La droite d'Abriès a été incendiée alors. Des exactions ont été commises à aiguille. De jeunes résistants ont été tués à la Monta. En 1957, la vallée subit d'importantes inondations qui entraînent des destructions dans plusieurs communes. Celle-ci eut la plus importante catastrophe naturelle subie par la vallée au XXe siècle. Ce sont les Kéiracins qui, par leur travail, ont façonné la nature et donné au paysage l'aspect qui est le leur, bien que les sommets, les pierriers, les ravins abrupts soient restés hors de leur portée. De fait, ces paysages sont aussi historiques et, au fil des siècles, ils ont changé. La vallée du Guil, entre Château Kéra et Villevieille, était décrite ainsi à la fin du XIXe siècle, des champs où le lin, l'orge, L'avoine et le seigle viennent à une très grande hauteur des prairies à travers lesquelles serpente le guil et s'étendant jusque sous de vastes forêts de mélèzes qui couronnent les montagnes sur celles-ci d'immenses pâturages et une foule de plantes rares des hameaux dont la plupart ne sont habités que pendant la belle saison des canaux qui sur des échafaudages soutenus par des quartiers de roc au-dessus du guil portent la fécondité d'un côté à l'autre du vallon tel est l'aspect du pays aujourd'hui L'aspect de cette vallée est tout autre et le paysage agricole a disparu. De fait, il n'y a plus de champs cultivés, plus de canaux surélevés. Les hameaux d'estive sont souvent en ruine, les prairies de moins en moins souvent fauchées. Il y a deux siècles, le Kera était moins boisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Pendant la longue période de prospérité et de croissance démographique du 16e au 18e siècle, la superficie occupée par la forêt a reculé. En dépit des mesures prises pour éviter une déforestation massive, ce qui a eu pour conséquence de renchérir le prix du bois d'œuvre plus rare. Dans les années 1860, une loi forestière a incité les communes à préserver les forêts et, grâce à des avantages fiscaux, à replanter en forêt les terres laissées en friche. Il en va ainsi des prés de Fauche. L'exemple du pré Michel, situé près du belvédère du viseau, dans la commune de Ristola est éclairant. Comme le montrent les auteurs d'une brochure publiée par le Parc Naturel Régional du Kéra, la forêt gagne peu à peu sur la prairie à cet endroit et ailleurs dans tout le Kéra depuis 1920 ou 1940, car tout près, à partir du moment où il cesse d'être fauché, se parsème en quelques décennies de tremble, puis redevient forêt. Des photos du Pasquier, hameau de la commune d'Arvieux. Prise dans les années 1930, montre un paysage de près d'altitude bien délimité et bien entretenu, comme si l'herbe y avait été passée au peigne fin. 60 ans plus tard, ces versants, qui ne sont plus fauchés, sont peu à peu gagnés par les arbustes. À terme, des paysages, faits de terrasses et de près de fauches qui, pendant des siècles, ont été typiquement caillassins, risquent dans un avenir proche de disparaître et d'être rendus à la forêt. À Saint-Véran, en juillet et en août en face du village sur la rive gauche de l'aigle blanche les cônes de déjection de quelques torrents débarrassés de toute pierre irrigués sans doute et peut-être fumés au printemps ou à l'automne sont encore fauchés on y admire le travail séculaire des hommes qui ont tracé au milieu de ces éboulis informes des parcelles nettement délimitées les ont entretenues avec soin et dont l'herbe taillée varie du vert tendre au vert foncé les terrasses constituent ou constituaient quand elles étaient encore entretenues et visibles un des éléments essentiels du paysage kairacien ce sont des murets de pierres sèches ou des talus de terre couverts d'herbes qui servent à retenir la terre arable et permettent de cultiver les parcelles abruptes et de les irriguer par gravitation l'eau étant amenée dans des canaux creusés très haut dans la pente les versants d'adroit au-dessus ou autour des villages sont organisés ainsi il y a un siècle quand la montagne était une ruche en activité, elle se présentait sous l'aspect d'un jardin de pente. Aujourd'hui, l'entretien des terrasses n'est pratiquement plus assuré, les prés sont de moins en moins souvent fauchés. Les communaux, que les bêtes jadis paissaient au printemps, ne sont plus que des friches à mauvaises herbes et à arbustes.